Je veux la bassine ici. Hein. Il y avait la cannelle. Il va derrière la porte là-bas. Vous avez mis les clés là-bas. Hein? Lequel, le gardien de jour de nuit. Va demander au service de nuit. L'autre que tu avais dit c'était fini. Oui ou non? Non. Oui ou non? Non, madame, c'est pas fini. Tu parles, vous voulez d'abord quoi? Je pense que c'était caché. Tu utilises quelque chose, toi-même tu déposes. Quelque soit plus tard, je te dis, fais encore la même chose. Donc, tu peux, qui a pris à ton avis? Personne. Voilà. Tu m'attends à du bon sens. Je veux quand même que vous ayez du sens. On appelle ça en anglais common sense. Je suis en direct. Il y a un montant. Pour la fille du Sud, il y a un montant. 22 000. Faut qu'on voit si DHL va envoyer là-bas ou pas. Bonsoir, bonsoir. Je vais vous montrer comment faire les lavages. Pardon, écris, je suis dit. La bassine blanche. Je vais faire un lavage. Je vais leur montrer comment faire le lavage. Bonsoir, bonsoir. Je vais vous montrer le lavage que je fais. Là, c'est le charbon à dents. Je mets juste sur le feu comme ça. Je ne mets pas longtemps. Hein. C'est tout. Ça commence à brûler, non? Voilà. Tu dis ça fait un bail, Chris. Toi, tu disparais de ma page, mais ça fait un bail. Je fais le direct tous les jours. Excuse ma vie. Voilà. Je dépose, ça va prendre. Regardez. Vous voyez comment le feu prend, ça prend. Non? Voilà. La reine Kanko, il faut que tu écrives à l'un des numéros qui est ici en haut. Tu as compris? Non, pas le nom dans le direct. Je vais vous montrer quelques astuces que vous pouvez utiliser à la maison pour faire votre lavage. Donc, bonsoir, bienvenue. Aïsda, bonsoir. Okay. Donc, on est le premier. Je vais vous montrer les astuces de choses que vous pouvez faire à la maison. Donc, il y a la sauge. Apporte-moi la sauge un peu. La sauge, l'herbe que tu as mis là-bas. Je vais le laurier, la sauge. Toutes les herbes que tu as mis là-bas dans le plastique, tu m'apportes ça. Donc, quand vous mettez votre encens comme ça, là, c'est le charbon ardent. Donc, il y a les herbes. Voilà, il y a le laurier. Il y a la sauge. Non, ça ne brûle pas. Donc, tu peux mettre un peu de laurier dessus. Oui, ça brûle. Bon, sur YouTube, j'ai mis plein d'astuces. Ça, c'est pour purifier votre maison. Donc, bonsoir, bonsoir. Oui, comment ça brûle, non? Tu peux prendre une feuille entière qui n'est pas déchirée ni coupée. Tu écris ton nom, prénom, le montant d'argent que tu veux. Tu écris ça dessus. Et puis tu brûles. Et en brûlant comme ça, là, tu fais ta prière. Donc, vous pouvez aussi ajouter. Ce sont des astuces. Hein. Coup de girofle. On va mettre 3. Dépose ça sur le charbon, ça va brûler seul. Voilà. Et quand ça brûle comme ça, tu pries. Seigneur, voilà le premier. Je purifie ma maison. Que l'argent entre, pas seulement le salaire, mais l'argent du business. Comme je vous dis, ce soir, faites ça. Tout ce que vous avez n'importe quoi à la maison, faites avec. Ok? Même si vous avez seulement le jujube, vous prenez le jujube avec le sel. Vous aspergez à la maison.
Donc, vous mettez ça là, vous laissez. Voilà, je sens là le coup de girofle qui brûle. Le monde de l'esprit, hein, même si vous ne sentez pas de mauvais esprits, il suffit de brûler trois seulement, trois coups de girofle dans ta maison. Une feuille de laurier, ça chasse les mauvais esprits. Eux, ils sentent ça. Vous avez vos voisines là qui viennent vous attaquer la nuit, non? Ils vous cherchent la nuit. Donc, tu fais ça. Donc, je vais vous montrer les choses que vous devez avoir quand vous voulez faire votre lavage vous-même. Parce que c'est que vous pleurez l'argent. Vous pleurez l'argent. Mais vous-même, ne m'inquiète pas, vous allez être délivré. Donc, assurez-vous que vous avez toujours votre lumière. Voilà, où est la lumière, non? La bougie. Voilà la lumière. Donc, ayez toujours une lumière quand vous voulez faire votre travail. Voilà. Bien ça. Super, Aïda. Comme tu as acheté les produits, il faut utiliser. Le charbon ardent, si vous achetez les produits chez moi, j'en vends ici. Donc, si vous venez, vous pouvez demander qu'on vous donne. OK? Ceux qui ont pris les kits. J'ai commencé à mettre ça dans les kits depuis 2 jours. J'ai demandé qu'on mette dans les kits. Parce que je me suis rendu compte que c'était un peu difficile. Vous pouvez s'en servir une fois par jour, une fois par semaine, ça dépend de vous. Donc, voilà les huiles que vous pouvez utiliser pour mettre dans votre lavage. Le romarin, tu peux faire bouillir. J'ai montré l'astuce où on faisait bouillir, où je ne vais pas faire bouillir. Donc, j'ai fait une huile essentielle au romarin. Ça fait au moins un mois que c'est dedans. Donc, je rajoute ça au bain. J'ai eu beaucoup de délivrance aujourd'hui. Les gens, beaucoup de personnes ont été délivrées aujourd'hui. J'ai même une femme là, elle a suivi après. Donc, tu mets peut-être, tu mets quelques gouttes d'huile. Le mauvais esprit qu'il y a dans la femme là m'a envoyé le voice après. Je vais vous faire écouter le voice. Le mauvais esprit, il m'a. Les démons là me cherchent. Quand il vous dit que les Decepticons démons là, j'ai les petits Decepticons démons. Hein. Je vous dis, je finis le lavage. Il fait, la femme a fait le voice avec sa voix. Il parle, il me dit que pourquoi je l'ai délivré. Qu'il ne faut plus qu'elle prie pour la femme là. C'est le démon qui parle. Ok. Restez tout là-bas qu'elle parle mes choses. Vous dites que wow, la fille là elle est folle. Je ne suis pas folle. Bon. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez mettre dans votre lavage. Donc je vais montrer le simple pour les simpletons. Donc, quand tu fais ton lavage, tu dois t'assurer que tu as ton encens ici qui est en train de brûler. Et quand ils ont ça, là, tu purifies. Tu peux me mettre les psaumes, c'est en train de jouer là-bas. Psaume 91, en boucle sur YouTube. OK? Donc, j'ai mis seulement le laurier. Je n'ai pas mis la sauge. Donc, je vais vous mettre la sauge maintenant. On a déjà emballé la sauge. Ça va. Donc, tu prends aussi la sauge en feuille, tu mets dessus. Tu vois, c'est vraiment des fines. La fumée est très fine. Vous voyez, c'est très fin. Mais c'est en train d'agir sur les mauvais esprits. On a aussi l'encens de l'église. Pour ceux qui ont... Oui, l'église catholique, non. Il y a aussi les encens, là. Voilà ça. Voilà. Mais pour l'église catholique, là, comme ça. Quand vous achetez vos produits, ça, c'est les choses que vous pouvez demander. Je ne mets pas dans les kits, généralement. Parce qu'il y a les maris ticons qui n'aiment pas les choses aussi. Si seulement vous pouviez voir la vie de Jésus, si vous pouviez voir que Jésus lavait les pieds, que ce qui a ouvert le ministère de Jésus, Jésus est parti, on l'a lavé. Après, on a pris la poule blanche, c'est-à-dire la colombe sur Jésus. C'est là que son ministère s'est ouvert. C'est que vous ne seriez plus simpleton. Simpleton, bête. Vous êtes à l'église tous les jours. Tu sors, tu souffres. Tu es fatigué. Quand au moins les simples choses à faire, tu ne fais pas. Seigneur, tu es au contrôle. Comme le Seigneur va contrôler la bende là. Ta bende là qu'il faut acheter là, c'est Dieu qui va venir acheter la bende là pour toi. Pardon, je vous ignore même d'abord. Attendez, continue mes choses. Donc, j'ai ici là, j'ai un ami. Donc ça, je vais vous montrer un lavage de prospérité. Et aussi pour votre business, ok? Je ne vais pas vous montrer, j'ai plein de choses. J'ai des poudres ici là pour activer les toiles. J'ai des gels pour activer les toiles. Mais je vais vous montrer les choses simples que vous-même vous pouvez trouver chez vous. Donc, oui, ça c'est l'encens myrrhe, ouais.
Allez voir dans la Bible comment on a apporté ça quand il y avait Jésus. Les gens, vous-même, vous faites aussi des choses seulement comme les bêtes, bêtes. Lisez bien la Bible. Hein. Oh. Vous endoctrinez là. Bon, dans le lavage, voici le sel arc-en-ciel. Voici le sel arc-en-ciel. Il y a tous les spectres dedans. Donc, quand on met le sel arc-en-ciel, ça a tendance à devenir orange. Vous allez voir quand tu mets dans l'eau. Tu vois, non? Il y a le jaune, il y a le rouge. Ça fait plusieurs spectres de couleurs. Voilà. Maintenant, si vous avez des parfums spirituels, vous pouvez les ajouter. Je vais vous montrer comment le parfum spirituel fait quand on le met dans l'eau. C'est un peu bizarre. Regardez. Hein. Ici, on ne voit pas bien. Ça fait un peu comme... Regardez, c'est une tache blanchâtre là-dedans. Alors, c'est de l'alcool, en fait. Le parfum spirituel, c'est de l'alcool. Donc, quand tu mets ça là-dedans. Donne un peu de la cannelle. Donc, ce que je fais ici, là, je ouvre, je vois ce qui est ouvert. Alors, si tu ouvres encore le sachet, tu vas... Va me chercher la cannelle non ouverte, ce qui est non scellé. Quand tu fais ton lavage comme ça, là, tu peux te laver avec. Si tu as le parfum, tous les parfums que tu as, tu peux mettre. Il y a le parfum de la grâce divine, le parfum Saint-Michel. Même dans l'eau de Cologne à la maison, tu as seulement l'eau de Cologne, tu mets dedans. Et quand tu mets maintenant, tu lis le psaume. Psaume 23, psaume 91, psaume 35. Je rappelle que nos choses sont en train de brûler là-bas. Bon, maintenant, si vous avez aussi le romarin, apportez-moi aussi du romarin. Voilà, voilà la cannelle, non, cannelle moulue. Donc, tu prends un peu, ne pas paver le reste. Tu verses. Raïsda, ma secrétaire n'est pas censée t'expliquer le kit. Tu as compris, non? C'est écrit sur le kit. Venez pas ça déranger mes employés. J'ai les vidéos en ligne. Ta secrétaire m'expliquait à peine. Il y a un kit, il y a les instructions sur ça. Tu vas me dire que ma secrétaire faisait quoi? Donc voilà, tu mets la cannelle dedans. Peut-être vous avez pourquoi que j'ai peur de vous. Mais voilà bien, voyez-moi bien. Voyez-moi bien. Avant de venir avec vos paroles là pour parler. Pauvre que vous êtes. Bloqué que vous êtes. Donc c'est un des sept qui connaissent là, qui cherche sa voix pas. Voilà. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'être délivrées avec les choses que je montre. Donc vous mettez la cannelle dedans. La cannelle, voilà, ça sent déjà très bon. C'est pour la prospérité et aussi l'avancement. Donc moi maintenant, la cannelle, vous pouvez aussi mettre ça souvent... Vous faites le thé à la cannelle, vous buvez. Bon, je vais vous montrer une astuce avec la cannelle. Tu prends la cannelle ici. Voilà. Donc, tu vas partir à l'entrée de ton business. Tu peux même souvent verser au sol. Là, vous êtes, ça, c'est là où j'exerce mon activité. Donc, c'est là. Donc, tu vas aller à l'entrée de ton business avec ta cannelle en poudre. Voilà. Donc, le portail est là-bas. Tu peux aller à l'entrée. Tu vas verser. Voilà l'entrée, non. Tu verses un peu d'abord au sol. Tu prends le reste maintenant. Tu parles. Tu dis ce que tu veux sur ton activité. Beaucoup d'entre vous là, oh, mon business est bloqué. Mon business est bloqué. Voilà l'entrée ici, là, non. Tu verses. Tu parles. Que tous les clients qui ont pensé à moi pour faire le business avec moi et qui m'avaient oublié, je déclare que vous vous rappelez de moi. Toute la marchandise que j'ai ici en stock, je déclare que ça sort dans cette saison, le mois d'avril-ci, au nom de Jésus. Comme je parle, si tu fais dans le digital, le digital là, tu fais ça sur l'ordinateur, non? La salle où il y a ton ordinateur ou bien le téléphone là, tu fais avec ça, tu parles dessus. Comme je parle comme ça, j'appelle mes clients. Si c'est les Decepticons, les Clienticons, je déclare que vous ne me localisez pas. Au nom de Jésus. Tu parles maintenant, tu souffles. Voilà. Tu bénis ton business. Apprenez avec. Voilà, je crois que vous avez vu l'entrée de mon business. Voilà, monsieur Michel là-bas.
Voilà. Maintenant, là, tu entres. Tu peux arriver le matin, peut-être. Si vous avez beaucoup d'employés, vous pouvez faire votre travail. Et si vous avez les employés Ticon, le genre d'employés que quand vous parlez, là, vous n'êtes pas sûr qu'ils vont écouter ce que vous dites. Je reviens ici, je suis en train de faire mon travail. Si vous avez les employés Ticon, là, vous faites ça quand ils ne sont pas là. Donc, voilà. N'hésitez pas. N'hésitez pas sur la quantité de cannelle que vous mettez. Ça ouvre les portes de votre business. Ça là, comme ça, tu viens pendant que tu es en train de nettoyer le matin, tu brûles ça. Tu vas voir comment les clients vont entrer dans ton business en avril ici. Et en brûlant, tu médites. Toute personne qui a pensé à moi pour faire le business avec moi et qui m'a oublié, je déclare que vous vous rappelez de moi. Vos contrats de 15 milliards qu'on va vous donner là et que le diable ne fait que là. Mes collaborateurs se rappellent de moi. Tout blocage que j'ai eu dans tous les mois passés, je déclare que ça quitte de mon corps au nom de Jésus. Je demande l'assistance de la Vierge Marie, du Saint-Esprit, de Jésus-Christ. Comme je me lave comme ça, je viens comme ça me libérer. Vous pouvez fabriquer vous-même votre huile. Tu cherches le romarin. Tu mets le romarin, tu mets la cannelle. Dans la boîte, tu mets l'huile d'olive dedans beaucoup. Tu mets le clou de girofle. Tu peux même écraser pour que ça aille plus vite. Tu écrases tout ça là. Tu prends maintenant, tu mets dans l'eau chaude. Tu mets dans... Tu vois ce qu'on fait à la vapeur, non? Donc, tu mets dans une assiette en inox comme ça. Tu mets à bouillir. Donc, tu mets l'assiette dans l'eau chaude. Avec l'huile dans laquelle il y a le romarin, la cannelle, le clou de girofle que tu as écrasé. Tu mets ça, ça boue. L'eau là, la vapeur là va chauffer. Parce que ça ne doit pas cuire à une température trop élevée. Soit tu mets sur le feu, tu mets à feu doux, très doux. Genre que ça ne chauffe même pas. Tu laisses ça même pendant, je sais pas, 30 minutes. Tu retires maintenant, tu mets dans ta boîte, tu gardes ça même un mois. Dans l'huile là, tu vas utiliser ça souvent dans tes lavages. Tu mets ça dans ton huile pour te oindre avec. Parce que beaucoup d'entre vous avez des mauvaises odeurs spirituelles. Tu arrives quelque part, ça, les gens, on te déteste pour rien. Pour rien. Tu dans un jour, on te détruise. Tu vois seulement que c'est quoi? Ou tu rates 4 accidents par jour. Voilà. Tu es dans un bureau comme ça, là, on ne veut même pas te sentir. Donc, c'est ça. Voilà ça. Je vous ai parlé de la cannelle. J'ai montré comment il fait le lavage. Voilà le lavage, c'est déjà fait. Maintenant, quand le lavage est là, tu prends la Bible, tu lis le psaume 35 à voix haute. Tu parles. Même la cannelle, là, tu peux mettre la cannelle dans l'eau. Tu mets aussi... de l'huile d'olive. Après ça, tu laves le sol avec. Tu mets aussi le sel, le jujube. Tu laves le sol. J'utilisais beaucoup le sel. Parce que vos décepticons, ces esprits-là, ils n'aiment pas. Voilà, ben Marie, hein? Où c'est Marie? Ben Joseph, hein? Ben Marie. Viens prendre le truc si je peux me laver. Ben Marie, oui. Moi, je n'ai pas fait les grosses études. Je n'ai pas les gros mots. Mais je sais que quand j'explique, vous avez compris. Tu peux dire Ben Marie, quelqu'un dit que Joseph est où? Non, j'ai fait biochimie. Hein. J'ai fait biochimie. Mais j'ai moi appris à faire les choses terre à terre. Je n'aime pas qu'on fait les gros mots là. Ça complique les choses aux gens pour rire. Voilà. Je cherchais quelque chose pour vous montrer. Le téléphone orange, s'il vous plaît. Je vais vous faire écouter le voice de... Je vous ai dit qu'il y a une femme qui a... J'ai lavé aujourd'hui... Il y a un mauvais esprit qui a fait... Elle a fait le voice. Le mauvais esprit, elle a fait le voice. Commencez à me dire que pourquoi j'ai délivré la femme. Pourquoi je prie pour elle. Donne-moi le téléphone orange. Oui. La voiture a fait quoi là dehors? La Yaris. Stéphane est là. Pas voir. Tu me dis aussi. Je vais vous faire écouter le voice là et puis ce sera fini. Je voulais donner seulement deux astuces, c'est tout. Dis de t'attendre, tu as fini. J'ai retenu ma secrétaire jusqu'à 22h aujourd'hui. Son gars est là-bas dehors, il attend. Où est le téléphone là? Il est parti où? Les gens se doivent écouter le voice là, c'est comment?
Appelle-le, non. Parlez-moi au téléphone orange. Je vais chercher le voice là pour que les gens s'écoutent ça. Merci. Je sais pas ce que le béninois s'il veut. Hop. Attendez, je cherche le voice là. Je vous fais écouter. Et sécurisez vos maisons. Voilà. Elle m'écrit, elle me dit. Ma reine, j'ai vu avec la reine pour mon kit de déblocage. Donc j'attends l'arrivage. Elle dit, ma reine, j'ai ma fille au Cameroun, rien ne marche pour elle. 30 ans, pas d'homme, tous partent. Elle a un enfant sans travail, elle est à Yaoundé. Ok. Maintenant, elle dit, ma reine, j'ai eu chaud en suivant le lavage en direct. Les vibrations sur moi comme un serpent. Et quand vous avez parlé de déblocage financier et des dossiers, car j'ai fait des demandes d'aide financière pour la construction de l'orphelinat et de son école au Cameroun, depuis aucune réponse. Donc moi, je lui fais le voice. Je sais ta délivrance par le sang de Jésus-Christ. Amen. Je lui dis... Je sais ta délivrance par le sang de Jésus-Christ. Amen. Que je scelle sa délivrance par le sang de Jésus. Maintenant, elle commence les voices. Amen. Amen. 2 minutes plus tard. Je suis encore en direct. Pardon. Pardon. D'accord. Pas de souci. D'accord. Pas mal. Écoutez, je ne suis pas
Ça, c'est seulement une fois où le Seigneur veut que je sache ce que je suis en train de faire. Ce n'est pas la blague. Il y a beaucoup d'entre vous, les choses que je vous montre là, ça va provoquer les démons qui étaient dormants dans vos mères. On vous a passé ça. Ils se cachent. Ils se cachent. Dès que quelqu'un vient, on veut t'aider un peu comme ça là, bam, ça attaque la personne. La personne fuit. Il y a des démons qui sont assis dans vos vies. Que tu fais ton dossier, c'est quelque part comme ça là. Tu fais 3 ans, on ne t'appelle pas. Ce n'est pas le hasard. Elle-même, elle a dit que son enfant a 30 ans, elle est bloquée. Donc le démon qui a agi dans sa vie, il y a dans la vie de son enfant en train de travailler. Et lui-même, il dit que pourquoi il veut le tuer. Il me dit d'arrêter de prier pour cette femme. Quand il parle souvent ici, là, les déceptifs qu'on vient m'insulter. Quand les déceptifs qu'on vient m'insulter ici, là. Je connais ce que je suis appelé à faire. Il y a une vraie bataille qui se passe. Il y a le monde des ténèbres. Et il y a le monde de la lumière. Voilà, je suis en train de tourner encore le logo ici. Là. Il y en a parmi vous qui, il suffit seulement que je touche quelque chose et prends, je te donne. Le démon là. Parce que vous devez comprendre que. Et avant, moi, je me disais que non, comment est-ce qu'une personne, il y a quoi de spécial sur toi? Il y a les gens que Dieu a envoyés, c'est leur travail. Tu as marché dans 5 endroits. Tu as réussi à la 6e personne. La personne, il y a les gens que vous venez souvent même le premier jour, ils refusent de vous consulter. Ils disent que ne te parle pas. Parce qu'ils veulent que le démon qui a sur toi, là, l'autre là, je ne veux même pas. Parce que c'est comment, il veut d'abord te gronder, il veut t'insulter d'abord bien même. Et ce n'est même pas à toi qui parle. C'est le démon qui est dans toi à qui je parle. Maintenant, je veux que vous compreniez que la délivrance, là, c'est petit à petit. Mais tout genou va fléchir au nom de Jésus-Christ. Le voilà là-bas, non? Le voilà là-bas. Voilà sa mère. La Vierge Marie, la Reine des Reines. Voilà Jésus là-bas. C'est vrai qu'il n'est plus sur la croix, mais la croix le symbolise, donc, du coup. Première chose, ne paniquez pas. Vous n'avez pas forcément besoin de me parler. Dieu n'est pas dans la panique. Dieu n'est pas dans le doute. Dieu n'est pas dans le... Non. Je vous dis, prends le sel, mets dans l'eau, lis ton psaume 35 sur ça. Allume ta bougie, que cette lumière m'éclaire. Fais ça pendant 7 jours, 30 jours, tu vas voir toi-même. Voilà, tu as fait le lavage en... Tu étais ici là pour le lavage en présentiel. Bon, il y aura un autre lavage de 5 parce qu'il y avait des gens, il y avait parmi vous, vous aviez vos règles aujourd'hui, donc on ne vous a pas lavé. Donc on va faire le lavage là, le 5. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas.
fais shalom, j'ai la pierre verte, j'ai ça là en vert. J'ai effectivement ça ici là en vert. Mais votre problème c'est que quand les ancêtres vous montrent les choses, c'est depuis peut-être 2 semaines qu'ils parlent des pierres. Si je parle, je parle. Je ne peux pas vous forcer à acheter mes pierres. Je vends mes choses de toute façon. Je vends mes choses. Je prie, je prie, je touche. Je touche comme ça, elle te donne. Je sais ce que ça va faire sur toi. Une femme est venue, j'ai acheté pour tous ses enfants. Les enfants de 5 ans. J'ai dit à la mère là que pardon, il faut aller, on scelle ça parce que sinon les enfants vont jeter ça le tout. Parce qu'elle a compris, elle a compris que ça là, ça va aider mes enfants. Vous direz, on parle, vous pleurez l'argent. Pleurez. Écoutez-moi, je suis comme la télé. Ne faites pas ce que j'ai dit, vous avez compris. Restez tout dans votre pauvreté, vous avez compris. Seigneur, Seigneur, aide-moi. Je t'ai envoyé les prophètes, tu n'as rien fait. Je t'ai envoyé, on t'a prêché la nouvelle. On t'a dit de faire ça, tu n'as pas fait. Seigneur, aide-moi. Vous connaissez l'histoire de l'homme qui était là, il se noyait. Il y a une inondation, l'eau en train de monter. Il dit, Seigneur, aide-moi. Seigneur, on voit quelqu'un avec la pirogue. Il dit, non, 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 c'est Dieu qui doit me délivrer. Ok. Seigneur, aide-moi. On vient avec l'hélicoptère. Non, je vais pas. C'est Dieu qui doit me délivrer. C'est comme ça que vous faites. Mais Dieu, vous avez déjà la grâce de ça. Hein. Ne vous cassez même pas, vous avez la grâce. Il y en a parmi vous, vous avez abandonné même 50 fois. Tu commences, tu laisses. Tu commences, tu laisses. C'est toi-même qui va te délivrer. C'est toi-même. Je fais la consultation à distance. Je serai à Abidjan demain. Mais je vais là-bas pour... Il y a des travaux à faire là-bas. Donc, un ou deux jours, je vais peut-être consulter les gens. Ne blaguez pas avec vos choses. Les petites astuces, là, j'ai les produits spirituels de forte composition. Mais j'ai aussi les petites, j'ai dit le laurier, par exemple, pas dans la boutique, va dans la moi. Ce que tu prépares avec la vie, mettre là-dessus, boule. Tu boules. Faites ça, ça va d'abord vous libérer. Vous allez voir que les choses qui vous ralentissaient avant, là, vont partir. Tu dis que je commence, je laisse. Mets le sel dans ta... Écoutez, mettez le sel à côté de votre savon. Mettez le seau dans votre douche. Donc, quand tu pars pour te laver, il n'y a même pas moi qui dit que ouais, je dois encore aller prendre le seau là-bas. Oh, le sel est loin dans la cuisine. Non. Quand tu déposes, quand tu viens, même avant de dormir, mets là le seau. Tu mets l'eau dedans. Le matin, tu viens, tu prends le sel, tu verses le mal dedans. Mettez tout de votre côté. Ok, le fauve à nous, comme maintenant que tu m'écris alors là. C'est très facile. Je vous dis que c'est très facile, la personne dit que ce n'est pas facile. Là. Bonsoir la reine Gonga. Moi aussi je vous aime. Vraiment, le groupe WhatsApp, je ne publie plus là-bas parce que j'ai trop de choses à faire. Avant, je publiais le matin, je forçais les gens à faire la prière, je ne force plus personne. Donc, je suis dans le groupe WhatsApp. C'est seulement ceux qui me parlent en privé là qui arrivent à m'avoir. Voilà, tu as conduit à même confisquer une chambre pour faire le travail, voilà. Amen, Louise. Toi, Esther. Et ça, c'est avec toi que j'ai parlé hier. Tu dis que tu mettais déjà ça en pratique. Oui.
Donc voilà le premier. Ce que je vous ai montré à faire avec la cannelle, là, faites ça trop, les 7 premiers jours de ce mois. Donc demain, vous devez encore faire ça avec la cannelle dans votre place de business. Aline Victorine, on ne pleure pas ici. Tu as compris, ma chérie? On ne pleure pas. Je vous apprends comment. Écoutez, dans toutes les maisons du Cameroun, du monde entier, il y a le sel. Le sel, c'est la base. Le sel, si tu n'as pas le sel, quitte ma page. Je sais que vous avez dit, aide-moi, aide-moi. Je n'aide personne. Tu ne veux pas écouter mes enseignements, tu le laisses. Et tu peux appliquer. Prends le sel, mets dans l'eau, lave-toi avec. Aidez-moi, aidez-moi. Voilà, excusez nos vies. Soyez bénis, bon. Je sais qu'il y en a parmi vous, quand vous allez voir le lavage qu'on a fait à midi aujourd'hui, vous allez manifester aussi. Les mauvais esprits là vont se manifester. Mais sachez qu'ils sont vaincus au nom de Jésus. Certaines personnes, après le lavage, vous avez des problèmes le lendemain jusqu'à. Sachez qu'ils sont vaincus au nom de Jésus. Bon, je vous souhaite une bonne soirée. Et à finir. Toute la journée, c'est depuis 12h30, j'ai fait le lavage. C'est maintenant qu'il est fini. Ok. Bonne soirée à vous. Attendez, je vais vous faire suivre la fin de ce que le démon là disait dans la femme là. Ça c'est à distance, ce n'est même pas ici sur place. J'en ai souvent ici sur place qui manifeste. L'autre aussi, écoutez ce que le démon dit. Elle dit qu'elle a commencé le truc pour construire l'orphelinat et l'école. Voilà ce que le démon dit. Elle m'a fait le voice quand elle était en train de manifester. Écoutez ce que le démon dit. Attendez.
Bon, ce n'est qu'une partie des messages que j'ai reçus. Si vous n'avez pas bien suivi la vidéo, il y a un esprit qui a bloqué la vie de cette femme. Il a mis le serpent dans son ventre. Il a bloqué son argent. Elle a dit qu'il y a sa fille de 30 ans qui elle-même aussi est bloquée. Les hommes viennent y partir seulement. Il est déjà vaincu. Quand il parle maintenant comme ça, il est déjà vaincu. Est-ce que mes blagues aveux? Je ne me suis pas appelé. Je ne suis pas resté, je me suis appelé. Quand tu étais, tu t'es appelé toi-même. Okay. Il vous disait qu'il y a une fois l'autre, on avait, seulement que le jour-là n'est pas enregistré. Je commence le lavage, on sera, pam, elle commence à manifester. C'est sa tante. L'esprit est dans sa tante et ça fait que sa tante n'a pas pu faire les choses négatives. Que j'ai bloqué ton mariage depuis. Même ton fils-là, je l'ai bloqué. Ton autre fils, j'ai pris son intelligence. Le premier a dit qu'il va aller t'aider. Il va avoir l'argent pour t'aider. Ta mère a fait comme ça, on l'a tué. Tu es trop têtu. Tes enfants, que tu as, les jumeaux que tu avais perdus là, c'est nous qui avons pris les enfants là. Vous restez souvent ça là, vous croyez. Écoutez, je n'ai pas m'organiser ça. Mon staff ici la connaît. Quand quelqu'un, si vous venez ici là physiquement chez moi, vous allez voir que je n'invente rien. Je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. Tu restes comme ça, la fausse couche. Un homme te voit le premier jour, il veut t'épouser. 2 semaines plus tard, il est parti. Il est parti où? Ah. Permis de conduire, tu as composé le permis même 5 fois. Tu composes, ça échoue. Tu composes, tu échoues. Écoutez, en prie, forcez-vous. Et ils ne veulent pas que vous fassiez ce que je dis. Ils ne veulent pas. Elle, là, particulièrement, elle veut m'assurer que mes produits arrivent dans sa maison. Le serpent, là, va sortir de son ventre. Il y a beaucoup de poudre de désenvoûtement. Je suis en train de faire beaucoup. Donc, quand vous commandez des produits, le déblocage plus, là, il y a ça dedans. Même dans le kit fondation, j'ai demandé qu'on mette ça. Vous devez brûler beaucoup d'encens de désenvoûtement et boire les poudres, les trucs de désenvoûtement. Beaucoup. Il y a des choses qui sont déposées dans votre corps. Écoutez, tu ne parles pas comme ça. Tu n'as pas conçu depuis 10 ans. Les mois, tu restes comme ça là, tu crois même que gars, le mois, on a fait fort. Je suis que rien. Tu n'oses même pas dire que je cherche à concevoir depuis. Tu caches un semen. Tu fais semblant que tu prenais la pilule. Tu n'arrives pas à concevoir. Quand il demande, tu que rien n'entre, tu dis ah. Non, tu sais, les produits que j'avais pris depuis là. Non, ce ne sont pas les produits. Il y a un esprit qui est dans ton utérus. Ah. Avant, hein, moi, les choses, si moi, je disais que pour qui t'avais ça, moi, je prie Jésus au nom de Jésus, amen. Je fais me coucher d'or. Rien n'avance dans ma vie. Blocage. Blocage. Tu envoies les trucs. Blocage de papier, 6 ans. Blocage de. Je dis que c'est même quoi cette affaire-ci? Merci. Oui, les mauvais rêves. Lavez-vous au sel, s'il vous plaît. Quand vous pouvez, vous venez ici là. Venez ici pour la vache. Venez. J'ai beaucoup d'argent. Hein. Comment on dit qu'on ne dit pas qu'on a l'argent? J'ai l'argent.
Donc ne pensez pas que si tu viens, tu vas me donner des 25 000 là. Wow. C'est ça que vous pleurez tellement l'argent. Tu as bien parlé, la reine justice, Justine. Il force même, il t'épouse. Il lit leur. Il lit leur. Ah. Hey. J'ai connu ça. Et quand t'épouses comme ça là, vous étiez bête. Vous étiez. Vous allez conjuguer le verbe bête. J'étais bête. Ça ne peut pas payer. On te prend une fois, on te prend la deuxième fois. En cause que toi-même, tu es bête. Never again. Plus jamais. Plus jamais. Désenvoûtez vos enfants là. Sauvez vos enfants. Tu es en bain depuis 16 ans. Ta fille aussi au Cameroun, ça ne va pas. Oh. J'ai fait le lavage des enfants. Vous ne lavez pas vos enfants. Ne lavez pas. Déjà que si on a votre trop occupé. Nous voilà. Nous voilà à 22h. Je suis en train de faire le lavage. Je crois que... Pardon. Vous encore faire, vous faites comme si. Chez les représentants, vous pouvez réserver le lavage. Dans le 5, il y a encore le lavage. Louise, même vos chantiers. Ah, chandaraba. J'ai dit que vous allez construire la maison en 6 semaines. Ah. Mmh. Hey, le sale cas de la maison, c'est grave. J'ai bu. J'ai mal au poisson brisé. Je ne veux pas boire. J'ai trop bu dans la maison. Mon corps est sucré. Mmh. Pardon. Et ça, quand la femme, si vous m'avez le poisson brisé aussi, il va le Ok, fais après, on va partir avec tout le monde. Là, on va le poulet là-bas. On va m'aider le poulet. Mmh. Pardon, chez vous. On fait comment? On laisse nous. Oui, oui. Il dit que. Capture. J'aime les records. J'aime les records. 6 semaines. Fait 6 semaines, on fait le bas. Jusqu'on met la dalle seulement. On vous a trop bloqué. Vous devez être responsable que c'est bon. C'est fini. Vous m'avez bloqué pour 5 vies. C'est bon. C'est fini. Mais tu souffres pendant 5 ans, tu économises tes 10 000 euros. Tu envoies, on achète le terrain avec. Quelqu'un paye tes escrocs. Elvige, nous venons prier pour ta soeur, nous la libérons pour son opération. Nous venons détruire tout qui se tout mieux dans son corps, au nom de Jésus. Amen. Partez parler à vos terrains. Tu prends le sel avec le jus, tu pars là-bas, tu prends l'eau bénie. Que je te parle à toi, terre. Si on avait enterré n'importe quoi ici avant, tu es un nouveau maître. Tu prononces ton nom. Le Dieu d'Abraham m'a envoyé, je te prie qu'il te possède. Tout Dieu de ce village qui ne veut pas qu'il construise cette maison. Je déclare que je te construis au nom de Jésus. Je viens contre tout blocage. Je déclare que cette maison, comme je construis là, le chantier ne va jamais s'arrêter. Chaque jour, j'aurai l'argent qui va entrer pour construire cette maison.
Pas le genre que tu es bloqué. Oh, mon chantier est bloqué. Oh, c'est bloqué. Ah, on va faire comment? Depuis 10 ans que j'attends de finir, tu veux toller. Et que? Laissez. Laissez. En un an, tu construis 3 maisons. Même 3 immeubles. Divine sagesse. Donc tes décepticons sont en forme de sagesse, de serpent. Hein? Wow. Versez le sel dans vos maisons. Dans la cour. Dans la concession, on a versé, versé. Je vous bénis. Je vous bénis. N'allez pas m'en manger ma nourriture. Bye. Il y a beaucoup de déceptions qu'on a, mon Dieu. On dirait toujours Dieu. En fait, c'est la jalousie. Hein. Quelqu'un reste celui des pauvres. Même d'abord pour voir le direct, là, il a mis quelques petits mégas. Où il allait voler le wifi, c'est quelqu'un. Il entre ici, il ne connaît même pas de quoi on parle. Tu viens, tu m'insultes. Écoutez-moi bien. Vous portez votre propre malédiction. Même si vous venez un peu, vous partez derrière là, vous partez parler mal de moi. Je te lever demain comme ça, là, ton pied a gonflé. Ta voiture est gâtée. Ton téléphone se casse. Vous savez pas avec qui vous amusez. Je suis à beaucoup d'endroits en même temps. Beaucoup d'endroits en même temps. Continue toi à me chercher. Vous avez vu me tester, non? Vous avez vu? Toutes les personnes que je suis appelée à délivrer, je vais les délivrer. Une à une. Même s'ils regardent en différé dans 6 mois. Ils vont être, toutes ces personnes seront délivrées et libérées. Vous allez devenir riche, je vous dis. Voilà le démon qui a dit que pourquoi tu veux qu'elle soit riche. Parce que Dieu lui-même connaît que mon cœur sur vous là, vous allez devenir riche. Le démon vient me dire que pourquoi tu veux que la femme soit riche. Non, lui-même là, il a confirmé. Ce n'est pas dans la bouche des chrétiens que tu vas voir la vérité. C'est les démons. Le démon lui-même va venir parler que mamie, pourquoi tu veux que la femme soit riche? Ceux qui viennent d'arriver là, j'ai fait suivre un audio d'un un petit démon là qui a un peu parlé ce soir. Il dit qu'il faut que le laisse tranquille, que pourquoi il veut le tuer. Écoute, Rosine aimée. Écoute, Rosine aimée. Vous avez aimé, vous êtes quoi? Jésus là, il est en moi. Bah, vous ne connaissez pas encore qui vous êtes. Comme il est en moi là, personne, une fille, vous ne pouvez pas. Vous allez partir essayer, votre nom va rester là-bas, comme vous allez essayer, votre... il y a les gens qu'on cherche, les gens qu'on s'amuse pas à chercher. Il y a ce qu'on cherche, il y a ce qu'on ne peut pas tenter, même essayer de chercher. Bon, bonne soirée à vous. Le mois d'avril, c'est là, c'est ça le hélélé. Vous allez lancer vos chantiers. 3 chantiers en même temps. L'insolence. Vous savez quoi? Vous n'avez pas encore fait les choses. Ils vont parler, leur gars, ils vont courir comme ça. Là, leur... Tu finis tes 3 immeubles en même temps.
Et je te dis que c'était ta portion. Tu étais censé avoir ça depuis longtemps. Tu étais censé avoir ça depuis 7 ans, 8 ans, 9 ans. Tes parents devaient construire les immeubles pour te laisser. Comment les avaient bloqués et qu'ils n'avaient pas l'esprit ouvert? Ils ne faisaient pas ni des rings, des simpletons. Simpletons plus plus. Toi. Tu vas confirmer aux gens ce que c'est que la richesse. Mon fou. On va souvent faire les réunions comme ça là. Tu quittes de Washington avec ton jet privé, tu viens à Badjoum, tu déposes. Tant, tu sors, tu fais 2 heures de réunion. Tu repars dans ton jet privé. On va parler dans les médias qu'il y a une fille là-bas à Badjoum qui s'appelle la reine Jocelyne. Elle fait, ils veulent nous montrer que quoi? Oui. Tu veux manger le couscous cuit? Ton jet quitte de Washington, ça vient prendre le couscous cuit ici à Badjoum. On vient te déposer ça à Washington, ça chauffe encore. C'est moi, ça, j'ai fini avec l'insolence des choses. On veut le njap. C'est moi comme ça. Moi, j'ai des idées. Que Dieu me donne seulement plus d'argent. Il veut souvent faire des choses comme ça. Là, j'ai dit que yeah. Je parle d'enseigne au féminin. Je ramasse tous les enfants. Là, on part à Paris. On passe 2 jours. Après, il les remet dans le jet privé. On rentre. On rentre. Écoutez, il y a une dimension d'argent où tu restes comme ça là. Tu ne t'inquiètes plus de rien. Tu ne t'inquiètes plus de rien. Tu ne donnes. Tu ressens, tu dis. Je veux ça. Je veux ça. Allons un peu à Dubaï pour la journée. Allons à Dubaï. Allons à Dubaï. Allez. Même pas besoin de visa. Même pas de visa, entrez tous dans l'avion. Venez, venez, venez. Là-bas, tu rencontres Kim Kardashian. Hey Kim, hi. How you doing? Oh, I'm good. Yeah. Oh, yeah. Tu lui fais un cadeau de 10 000 dollars, un produit de 15 000 dollars. Elle dit, oh, that's so nice. Okay, you know what? I'm just going to invite you. You know, can you just come to Hollywood? You know, see me. Elle dit que tu viens à Hollywood. Dans son red carpet qu'elle va faire dans 2 semaines là. Vos idées doivent mûrir. Vous ne rêvez pas. C'est pour ça que vous êtes tout bloqué dans votre petite chambre là-bas, en train de souffrir. Hein? Tout est shalom. Ça, c'est le langage de pauvreté. Le Seigneur pourvoira. Je pourvoirai. Dieu est déjà en moi. Demain, je vais sûrement faire le direct à 7 heures parce que je serai à l'aéroport. Je vais sûrement faire le direct à 7 heures, sûrement. C'est bon, on peut y aller. Les gens la ferment aussi à une certaine heure. Si vous voulez trop tarder là. Il est 22h. 22h49, 49. Voilà, je pourvoirai. Dieu en moi, je pourvoirai. Simple. Quand quelqu'un a un problème et que tu lui dis que Dieu pourvoira, la personne n'a pas confiance. Je ne suis pas sûr. Mais quand tu dis je, il prend ta parole. Vous m'appelez à 22h30. Ouais, vous aussi, non. Vous exagérez. Bonne soirée. Pour que j'aille manger avant de dormir.
Everything I put my hand go work. My name would open doors. Amen. Good news go follow me. Amen. 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 Bye bye. Robert, je dois arroser la voiture là dans maximum 2 mois. Je n'aime pas les futures voitures qu'on dit qu'on va avoir dans 5 ans là. Un autre. Bye bye.